tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. J'espère que vous m'entendez bien, hein, parce que... J'espère que vous allez bien. On va donner quelques minutes à notre invité de se connecter. Inviter aussi certaines personnes. Inviter certaines personnes, vos amis, vos cousins, vos cousines, vos parents. Amen. C'est très important en fait. Aujourd'hui, le sujet en fait est tellement un sujet important qu'il est très important que tu n'écoutes pas en fait ce live seul. Partage ce live en fait dans les groupes, dans tes groupes de WhatsApp, dans les groupes de Instagram, afin que quelqu'un soit béni aussi comme toi. C'est très très important. Amen. Comme je le disais, nous allons laisser quelques minutes avant d'inviter la servante de Dieu Estelle Desprix. Coucou Cynthia, comment tu vas? Il y a tellement de personnes en fait qui souffrent en secret, d'accord? Beaucoup de personnes en fait souffrent en secret de tout ce qui est masturbation, des liens sexuels, de plein de choses. On va détailler vraiment les vices sexuels et tout ça. Et je pense que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui guide toute chose. Amen. Il est très important en fait pour nous de comprendre en fait quelque chose. Vous savez, chrétien ne veut pas dire que tu es délivré totalement. Tu peux accepter le Seigneur, mais tu continues de souffrir de certaines choses. Et aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est comment être délivré des vices sexuels. Les vices sexuels. Comment tu définis les vices sexuels? Toi, tu le sais. Il y en a, vous savez, des femmes même qui sont déjà mariées, mais qui continuent à souffrir dans cette affaire de vices sexuels. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est très, très important. Et sans plus tarder, si notre intervenante est prête, je vais juste l'ajouter. Estelle, si tu es là, fais-moi un request, comme ça, je t'ajoute dans le live, s'il te plaît. Je ne sais pas trop comment ajouter avec ces histoires-là. Attends, je vais essayer de te chercher. Voilà. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, il fait très beau ici. On est à combien de degrés? Peut-être 26, 27. Coucou! Coucou, coucou! Comment tu vas, ma chérie? Ça va bien, Sista, et toi? Tu es toute belle comme d'hab. Merci, toi aussi. J'adore ta monture. C'est très, très original. Merci. Merci. Vraiment, tu as toujours tellement de cheveux. De la chance, hein. Ah, t'as vu, non? Monsieur Desprix aussi. Monsieur Desprix, la chance, en tout cas. Tu es magnifique, ma sœur. Merci. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. C'est un privilège de t'avoir en tout cas avec moi. Amen. Et comme je le dis tout le temps, on se connaissait dans le monde, aujourd'hui on se connaît dans le Seigneur. Yes. Et ça, c'est vraiment un témoignage puissant de la main de Dieu. Yes. Ça, c'est pas quelque chose qui peut être décrit, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Amen. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Donc, je bénis le Seigneur, en tout cas, pour ta présence parmi nous. Amen, amen, amen. Et comme tu le sais, il y a des personnes, en fait, parmi nous ce soir qui ont besoin d'entendre une parole venant du Seigneur. Amen. Et je sais, en fait, que le Saint-Esprit t'inspire davantage. Mais avant amen. Ça, je veux que pour les personnes qui ne te connaissent pas, que tu puisses te présenter une fois de plus avant de commencer. D'accord. En tout cas, déjà, merci aussi à toi, servante vraiment de Dieu, parce que tu fais une œuvre vraiment extraordinaire. Hein. Avant de me présenter tout ça, il y a des personnes qui te suivent depuis, qui te connaissent peut-être. Il y en a qui ne te suivent pas, qui vont peut-être te découvrir par rapport à mon compte. Mais je veux vraiment bénir le Seigneur pour ta vie parce que tu t'es vraiment engagé, tu t'es livré vraiment totalement sur l'autel de la croix pour avancer vraiment avec le Seigneur. Et je suis certaine, quand j'ai vu les témoignages hein, dernièrement du live d'il y a 2 semaines, c'est ça, non? Mm-hmm, mm-hmm. Et,
C'était extraordinaire, c'était extraordinaire. On va revenir là-dessus, mais vraiment, je tiens à te remercier aussi de me donner l'opportunité de pouvoir, voilà, parler de la part du Seigneur. C'est vraiment gentil à toi. Voilà, et sois vraiment béni, béni, béni pour ce que tu fais. Donc, voilà, pour ceux qui me connaissent pas ou qui me connaissent. Voilà, donc je suis Estelle Despris, donc je suis voilà, servante de l'Éternel depuis un moment, enfin depuis toujours, hein, mais j'ai pas voulu me l'avouer jusqu'à ce qu'ils me disent c'est le moment C'est ça. de me servir. Voilà, donc je suis mariée et j'ai 2 enfants, je suis esthéticienne, je vis en France, dans le sud de la France. Voilà, voilà un Super. peu en gros. Amen, en tout cas. Donc, vous voyez Amen. les gens qui se disent que oui, tu dois être serviteur de Dieu ou bien servant de Dieu, puis tu travailles pas. Vous avez entendu, non, elle est esthéticienne, elle Ah non. travaille. Ah, si, Yes. si, si. Voilà. Donc, elle travaille. Amen. Elle travaille très bien même. Elle va au Amen. travail et c'est après le boulot, elle s'occupe de ses enfants. Après s'occuper de ses enfants, c'est là maintenant qu'elle a le temps pour venir faire les lives. Voilà. Dans la vie de tout un chacun, il faut les priorités. C'est Vous ça. m'entendez? C'est bon, j'espère. En tout cas, moi, je t'entends très bien. C'est bon, vous m'entendez? C'est Ok, bon. voilà. Donc, c'est chrétien paresseux qui se disent que, ah non, Dieu m'a appelé, donc je dois m'asseoir à la maison là. Non, 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 non. Tant que Dieu ne t'a pas appelé au ministère full-time, pour aller au travail. Ça. Voilà, va au C'est travail. ça. Oui, va aller au C'est travail. ça. Et même quand tu es Allez. dans le ministère, mais tu continues à travailler. Quand tu es dans le ministère, Amen. mais tu continues à travailler. Vous voyez les émissions comme enseignement.com, Jérémy Sourdil, il est prédicateur, il est pasteur, mais vous voyez qu'il fait des émissions, il fait des trucs, il font des choses sur YouTube. C'est le Complètement. travail, c'est le travail. Donc les chrétiens paresseux, là, malheureusement, ça ne marche pas ici. Alors aujourd'hui, Non. en fait, oui. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a inspiré, en fait, ce sujet qui vraiment touche beaucoup de personnes. Que ce soit des femmes, c'est clair que notre audience touche beaucoup les femmes, mais que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes aujourd'hui, on a en fait ces personnes-là qui sont encore mariées, célibataires ou autres, chrétiens, mais qui souffrent en fait de tout ce qui est vice sexuel. Donc, servant de Dieu, comment tu peux déjà définir en fait ce qu'on appelle un vice sexuel, s'il te plaît? Bon, déjà, un vice sexuel, c'est quelque chose pour moi, hein, qui est déjà, comme on avait dit la dernière fois, qui est déjà hors mariage. Déjà, quand ça touche à la sexualité, déjà que c'est hors mariage, c'est déjà un péché. Voilà, parce que, comme on l'a bien stipulé, le Seigneur n'est pas contre le sexe, c'est lui-même qui a créé, et c'est bon quand c'est consommé dans le cadre que lui-même il a défini qu'est le mariage. Donc les vices sexuels, c'est vraiment tout ce qui va avoir attrait à l'impudicité, à une façon de venir chercher un plaisir, mais de façon mauvaise, de façon vraiment qui n'est pas dans le cadre qu'il faut déjà, non dans le cadre du mariage. On va y arriver. Il On y a va en des parler. personnes qui le font dans le cadre du mariage. Mais c'est de partir chercher du plaisir sexuel de la mauvaise façon. De la mauvaise façon. Donc, on peut citer tout ce qui est masturbation, pornographie, tout ce qui est lesbianisme, tout ce qui est homosexualité. Et je tiens à préciser tout de suite que nous ne sommes pas homophobes. Le Seigneur n'aime pas l'homosexualité, mais il aime l'homosexuel. Ah oui, ça c'est Toi clair. qui me suis, qui es peut-être parent ou qui a un neveu, nièce ou je ne sais pas, quand ton enfant ou ton neveu ou ta nièce vole ou ment, tu n'aimes pas ce qu'il fait, mais tu aimes ton neveu, ta Yes. nièce ou ton enfant. Pour bien faire comprendre les choses, nous ne sommes pas là pour venir décrier des trucs. Non, non, Yes. non. Vraiment là pour parler de la part du Seigneur en toute sagesse et en toute Yes. vérité. Yes. Voilà, donc un vice sexuel, c'est un peu tout ça. Tout ce qui va être, tout ce qui est zoophilie, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, coucher avec des animaux, faire des Bestialité. orgies, bestialité, n'est-ce pas? Merci. Faire tout ce qui est orgie, être vraiment comment je peux expliquer ça? Tout ce qui est Dans hors l'impudicité, cadre. en tout cas.
L'impudicité, tu vois, tout ce qui est sale, on va dire, parce qu'en général, quand on sort de ces choses-là, on ne se sent pas propre, je suis certaine. Pour avoir vécu certaines de ces choses que je cite, attention, encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui nous a localisés, c'est pour ça qu'on est ici. Et je prie que quelqu'un soit Amen. localisé par cette même grâce aussi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je définirais tout ce qui est vie sexuelle, mais aussi dans le mariage. Tu le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont mariées aujourd'hui, si elles n'ont pas mis de films pornographiques, elles ne peuvent pas atteindre un certain niveau de plaisir avec leur conjoint. Je vais aller même plus loin, parce qu'il y a certaines personnes qui se confient à moi par la grâce de Dieu, je ne dirai pas des noms, mais il y a des femmes, pour pouvoir atteindre le plaisir et se coucher avec leur homme, elles pensent à quelqu'un d'autre. Tu es dans l'adultère. D'autres. Il Oh aussi my qui God. est dans l'adultère. Parce que si le Seigneur a pu dire que si tu convoites une femme à l'intérieur de toi, sans même être passé encore à l'acte, c'est que tu es dans le péché, ça veut dire que ça aussi, c'est une vie sexuelle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, l'introduction même était tellement deep, même que je suis pressée, même qu'on arrive au sujet même. Amen. Et tu as dit quelque chose Ça. tout de suite. Tu as dit, en fait, tu as dit ceci, tu as dit, c'est pas le, c'est tout ce qui est consommé en dehors du mariage. Ce qui veut dire que tout ce qui est impudicité et tout. Mais tu as dit un autre truc encore, tu as dit, mais même les gens qui sont mariés posent en fait des actes qui sont aussi impudiques dans leur mariage. Et en parlant de ça, j'ai une personne, une dame, qui m'a contactée, on était en 2019, et qui m'a dit, ah vraiment, je voulais que vous priez pour moi parce que même quand je finis de coucher avec mon mari, je suis obligée moi-même encore de repartir dans la douche et me masturber. Comment même j'ai suivi, c'est-à-dire quand j'écoutais en fait son message, je lisais, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on dit vraiment que le diable attaque les mariages, c'est la vérité. Amen. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à parler avec elle et tout ça, mais là, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu m'a saisi en même temps pour me dire, mais elle n'est pas la seule à vivre ça. Elles Non. sont beaucoup comme ça dans le mariage, qui n'ont pas, qui ne sont pas, comment on dit ça? Qui ont toujours en fait une soif sexuelle, même après l'acte avec l'époux, même après l'acte avec ton épouse. Vous me comprenez? Et cela-là, ça vient de quelque part. Ce sont des liens qui ont été tissés dans l'adolescence, dans la jeunesse, qui n'ont pas été coupés avant de rentrer dans le mariage. C'est pour ça qu'il est très important, lorsqu'on vous dit avant de rentrer dans le mariage, faites des trucs de délivrance, faire des cures d'âme, les gens ne veulent pas. Lorsqu'on dit, ah, on est déjà mariés, il n'y a pas de problème, mais il y a des trucs de délivrance. Estelle, toi et Je moi, suis on tout à fait habitait dans le même d'accord. quartier. Amen. Toi et moi, on habitait dans le même quartier. Mais je me rappelle que je ne dirai pas des noms. J'ai une amie à l'époque, et je l'ai perdue de vue, ça fait vraiment longtemps, elle était très jeune. Mais cette jeune fille, par toute fois qu'on partait chez elle, elle initiait toujours les trucs de. On n'a qu'à jouer à papa et puis à maman. Amen. Jouer à papa et puis jouer à maman. Tous les jours qu'on partait chez elle, que ce soit des hommes ou bien on était des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, elle voulait toujours jouer à papa et à maman. Mais quand on joue à papa et à maman, elle dit elle est toujours, elle est papa ou bien elle est toujours maman. Mais quand il doit avoir à choisir, je donne un exemple, à choisir le papa ou la maman dans l'amusement de papa et maman, là. Elle choisit toujours une fille. Au point où, à un moment donné, il y a eu un scandale comme quoi elle tripotait ses petites cousines dans la maison. Les gens maintenant commencent à la reconnaître en tant que la go lesbienne. Mais pourtant, elle aimait les garçons. Mais c'était quelque chose qui était en elle. Et cette personne-là, si dans le mariage, elle rentre, qu'elle n'a pas coupé ce lien, ça va la rattraper devant. Parce qu'en elle, Je il y a suis eu tout une à fait semence de d'accord. Il y a lesbianisme une ou bien de semence, lesbienne. yes, En c'est ce que je elle, il y a eu m'apprêtais aussi ça. à dire, ouais. Tu me comprends? Et donc, si aujourd'hui tu t'en vas rentrer dans le mariage, tu dois rentrer dans une nouvelle relation, mais tu n'as pas coupé ces liens qui te retenaient quand tu étais jeune à faire de lesbienne ou bien tu embrassais tes petites copines, mais excusez-moi du terme, comment on dit finger même en français là, mais vous vous touchez, vous faites des attouchements sexuels et tout ça. Mais quand tu vas te coucher à ton mari, tu vas repenser à ces scènes-là où tu t'es couché à ta copine, tu de vous faire des choses et tout ça, et tu vas aller à faire inviter une troisième personne dans ton mariage.
malheureusement. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées, mais elles font exprès. Puisque le truc est en elles, qu'est-ce qui se passe? Elles font exprès, il y a le mari. Mais bébé, tu sais, si on doit faire une folie sexuelle, qu'est-ce qui te plairait? Mais elle n'est pas en train de vouloir attirer l'attention de l'homme, hein? C'est elle-même son propre désir, elle veut. Yes, qu'elle cherche. Tu me comprends? C'est ce qu'elle cherche et c'est dangereux. Ce sont des portes ouvertes que l'ennemi utilise pour écraser les mariages dans notre génération. Même pas dans notre génération seulement, parce que même dans la génération avant nous, hein, il y en a ce tout. Donc, c'est quelque chose, une parenthèse vraiment que je voulais ouvrir avant que tu nous continues sur ton développement, s'il te plaît. Yes, vas-y, yes. Non, mais tu as raison. Tu as raison par rapport à la semence et à ce que tu as dit, quelque chose de fort sur lequel je veux vraiment rebondir. Parce que, encore une fois, je vais le répéter, c'est vraiment tout amour et vraiment dans la grâce du Seigneur qu'on est ici et qui nous donne de parler selon ce qu'il a prévu. C'est la grâce de Dieu qui nous a localisés et on est là aujourd'hui en train de parler de sa part. Tu ne peux pas avoir eu un passé lourd, chargé, et puis rentrer dans un mariage. Dis non, j'ai le Seigneur, c'est bon. Ah. Vraiment, pour l'avoir expérimenté, c'est pas possible. Dieu, moi personnellement, m'a fait la grâce de faire une auto-délivrance avant même de rencontrer mon époux et mon fiancé à l'époque. Et quand on s'est rencontrés, il y a quelque chose que je tiens à vous dire. Quand vous allez commencer à cheminer dans les fiançailles, pour celles qui ne sont pas encore mariées, je vous en supplie par les compassions de Christ, soyez honnêtes avec vos maris, vos futurs, Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, tu sais, ton mari, là, il ne faut pas tout lui dire. C'est faux. C'est faux. Vrai. C'est faux. Tu ne peux pas former une seule chair avec quelqu'un et puis toi, tu as quelque chose là-bas, lui aussi, il a quelque chose là-bas. Donc, toi, ton cerveau gauche parle de quelque chose et ton cerveau droit parle de quelque chose. Non, c'est pas possible. Yes. Tu dois pouvoir prier dans le Saint-Esprit. Ah, je vais aller lui avouer. Voici quand j'étais seule dans le monde. Voici ce que j'ai eu à faire. Voici ce que j'ai eu à faire. Vraiment, c'est grâce à Dieu qu'on est là ensemble aujourd'hui. Je prie avec toi qu'on puisse rompre les liens. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez rentrer dans le mariage, la parole de Dieu dit, Paul dit que le mari n'appartient plus, son corps ne lui appartient plus. Et la femme aussi, son corps ne lui appartient plus. Donc, l'homme a autorité de prier pour toi de sorte à ce que ces liens-là soient cassés, brisés, rompus. Amen. Mais ça, ça commence à partir de la dot, par contre. Ça commence à partir de la dot. À partir du moment où le papa a déchargé son autorité, l'autorité de la femme, sur, il a légué l'autorité, la jouissance pleine de l'autorité au mari. Parce que la femme est sous, comment on dit, comment je vais expliquer ça, ça ne veut pas sous dire... Sous la mission. Exactement. La femme est, l'homme est la tête, comme Christ est la tête de l'église, l'homme est la tête de la femme, un peu comme une couverture, une protection, un peu comme la toiture d'une maison pour la protéger. Yes. Donc, voilà, donc c'est très important pour celles et ceux qui me suivent, si vous êtes en cheminement avec des hommes, avec un homme ou une femme, de se dire, il faut qu'on franchisse cette étape, d'être vraiment honnête l'un envers l'autre et de se dire que on a malheureusement eu à faire des choses qui n'ont pas été bien. Aller même jusqu'à citer les 62 gars. Les 83 go et puis couper une à une. Je te promets, tu ne vas pas le croire. Peut-être François et moi, on l'a fait. Parce qu'on savait où on partait. On n'avait pas envie de se retrouver dans des histoires où demain, tu es là, tu as des visitations nocturnes, tu as des machines, tu as des ceci, tu as des cela. On ne voulait pas ça. Et on voulait quelque chose de sain, de pur. Parce qu'avoir goûté à la saleté, finalement, on s'est dit, oh, j'ai la grâce d'avoir quelqu'un de pur, de vrai avec moi. J'ai envie d'en jouir de belle façon. Tu vois. Donc, c'est vraiment ce truc-là que je voulais relever. Et aussi, avant de continuer, dire un peu, s'appuyer toujours sur la parole de Dieu. S'appuyer toujours sur la parole de Dieu. Pour dire, parce qu'aujourd'hui, c'est de savoir comment être délivré des vices sexuels aussi. C'est ne pas forcément faire un focus sur ces vices-là, mais c'est de conduire quelqu'un vers cette délivrance. Voilà. Donc, voilà, je pense que
en toute chose, la parole de Dieu doit être notre vecteur, notre direction. Donc moi, les deux versets vraiment que j'ai retenus pour ça, c'est d'abord Philippiens 4, verset 8. Donc si ceux qui ont leur... Si ceux qui ont leur BIBLE peuvent... Ceux qui l'ont aussi de façon dématérialisée sur le téléphone, ne coupez pas le live, partagez-le. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette parole, qui ont besoin d'être visitées. Voilà. Tu y es, ma sœur. Voilà. Donc, la parole de Dieu nous dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, hein, c'est vraiment ça que je veux vraiment saisir. Tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, je me Amen. permets de reprendre au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc ça, c'est le premier verset. Amen. On va aller après dans Matthieu 15, le verset 19 et 20, le premier passage. Donc j'ai plutôt pris la version français courant, parce que je trouve qu'elle D'accord. est, elle est assez forte. D'accord. Donc Matthieu Matthieu 15, 15, combien? 19, 19. Matthieu 15, D'accord. 19. Voilà, donc la parole de Dieu nous dit, car de son cœur, donc son ami pour l'homme, l'homme impur, donc car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, pardon, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Donc, pourquoi j'ai choisi ces deux versets? Parce que je me suis rendu compte que on est vraiment à l'image de notre Père. Tout commence par une pensée. Tout commence par une pensée et malheureusement, comme la sœur le disait, par des semences, par une mémoire. Ton âme a une mémoire, tu as fait des choses. J'ai lu un jour le livre d'un homme de Dieu qui dit pourquoi qu'on est venu à Dieu. Il n'a pas erased notre mémoire de sorte à ce C'est que... ça même. Pourquoi? Et il a donné des exemples tellement frappants. Il a même parlé de la drogue où il a dit, mais pourquoi celui qui vient à Dieu n'oublie pas la sensation de la drogue qu'il a prise? Pourquoi Dieu n'a pas enlevé ça? Mais parce que Dieu nous veut travailleurs avec lui. Ce serait trop facile. Et puis, il faut qu'on garde en tête. C'est vrai que lui, il l'oublie. Mais nous, on doit garder en tête d'où on vient. D'où on vient, Et je pense que amen, c'est vraiment. ça. Pour ne pas vouloir y retourner, parce que ce n'est pas propre là-bas. Ce n'est pas propre. On n'a pas envie d'aller. La parole dit, le chien allait se revautrer dans ce qu'il a vomi. Tu vois? Non, tu ne peux pas aller te revautrer dans ce que tu as vomi. Pour celles ou ceux qui ne sont pas mariés, ils se diront, bon, j'arrive pas à sortir de l'impudicité. Vraiment, il me faut absolument le vendredi soir, absolument ce film pornographique avec cette actrice-là. L'autre se dit, ah oui, jeudi, tous les midis, il faut que je sorte de mon bureau pour aller me masturber. Écoute, c'est une pensée qui monte de ton cœur. Et la parole de Dieu dit que tout ce qui est pur et vertueux, quand tu finis de faire ça, est-ce que c'est pur? Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est pur? Je ne pense pas que ce soit pur. La parole de Dieu aussi nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées qui poussent à commettre l'adultère. C'est pour ça que Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute chose. Tu Amen. dois chérir ton cœur. Ton cœur doit être un lieu où tu ne laisses pas tout entrer. Faire Mais tu sais, violence. pour ne pas te couper dans Vas-y. la... Il y a des sœurs, par exemple, d'accord, elles se battent en fait avec ça. Tu me comprends? Dans le sens où c'est quelque chose qu'elles n'ont pas envie de faire. Elles n'ont pas envie de le faire, mais elles se sentent, comme tu dis, les pensées montent et elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas à se dire, non, il ne faut pas que je me masturbe aujourd'hui. Non, il ne faut pas que je regarde pas un film porno aujourd'hui. Non, il ne faut pas que je passe prendre mon God Michel ou bien mon dildo ou bien je ne sais même pas comment on appelle ces choses-là même encore. Tu comprends? Elles Tu as les n'arrivent pas grands à noms, cette... dis-le. Ah, ma chère,
On sait d'où on vient. Donc, vraiment, moi-même, je vais donner mon propre témoignage par rapport à ça. Vous savez, quand j'ai en 2014, par exemple, quand le Saint-Esprit, je déménageais, je me rappelle que j'ai déménagé, et j'avais plein de valises et tout ça, et quand je déballais maintenant mes affaires pour arriver, pour mettre dans ma nouvelle maison, je regarde mes habits, je vois qu'il y a des sacs en terre, où il y a des choses dedans, des petites pochettes là. Je regarde dedans, je vois plein de godmichons comme ça, il dit, Jésus. Mais il y a une voix intérieure en fait, qui me dit, mais faut garder, on ne sait jamais, on m'achète. Tu n'as pas dit que tu ne veux plus commettre l'adultère ou bien tu ne peux plus, coucher. Ça peut t'aider de temps en temps. Hein. Ça veut dire que tu n'es pas en train de coucher avec un homme, mais au moins tu as ça à côté de toi. Il y a une autre pensée qui a dit, non, tu ne peux pas garder ces choses, Audrey. Tu ne peux pas garder ces choses. Que toute chose qui est pure soit l'objet, comme tu dis, de tes pensées. Yes. Et c'est comme ça que sur le coup, je n'ai même pas voulu dormir avec la pensée. Je n'ai pas voulu trop réfléchir pour savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Sur le coup, j'ai pris toutes ces dagers là. C'est magnifique. Amen. C'est magnifique. Ce que tu dis est fort. C'est ça. Dieu merci. Je n'ai pas les trucs comme les revues pornographiques ou quoi que ce soit. Non. Mais ces objets-là étaient avec moi. Et à ces femmes-là qui sont en train de me regarder aujourd'hui. Vous avez peut-être des objets dans vos maisons. Peut-être que tu te dis que tu es célibataire, mais tu as regardé quelque chose sur Internet. Tu as vu une publicité quelque part. Voilà God dans ton truc. Voilà, comment on appelle ça? Les bagues vibrantes. Il faut me jeter ces choses. Oui. Si tu veux vraiment vivre avec Dieu, tu veux que Dieu travaille dans ta vie, là, il faut toi lui faire confiance pour lui dire que Seigneur, j'ai abandonné toutes ces choses. C'est pour ça que Pierre a dit à Jésus, Jésus, hé, hey, nous, on a abandonné nos enfants, on a abandonné nos parents, on a abandonné notre travail. C'est comment ton affaire là? Jésus dit, il n'y a personne qui ait abandonné personne, qui ne reçoit pas sur la terre ici les bénédictions. Yes. Donc, si aujourd'hui tu sacrifies ta vie, tu sacrifies ces choses pour le Seigneur, c'est sur la terre ici là que Dieu va te récompenser, pas au ciel. Mais oui, et puis sa parole le dit, il dit qu'il n'est pas grave pour bien tout le travail. C'est dans Hébreu, non? Qui dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail, toute la dévotion qu'on a mise à le servir. Mais je reviens sur ce que tu as dit, c'est important parce que je ne peux pas sauter cette partie. Tu sais, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. La pensée va venir. La pensée, elle va venir. Scientifiquement, tu t'imagines, quand on te dit le nombre de pensées qu'on a par jour, tu te dis, waouh, c'est de ma tête que passent tous ces fils, c'est pas possible. L'oiseau, il va voler, la pensée va venir, elle va survoler. Mais tu n'es pas obligé de passer à l'acte. Et je précise quelque chose d'autre. Les histoires de God, tu te dis, non, c'est un objet. Like, non, c'est rien, c'est un objet. Il y a un esprit derrière. Tout. Il y a un esprit derrière tout, tout, tout. La parole de Dieu dit que tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Est-ce que tu veux que la masturbation triomphe de toi? Toi qui me suis aujourd'hui. Est-ce que tu veux que la pornographie triomphe de toi? Parce que derrière, il y a un esprit. Comment se fait-il que y a des choses que tu veux arrêter? Mais tu ne peux pas. Toi, tu te dis que tu es chrétien. Tu dis que non, tu veux arrêter. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Excuse-moi, le Saint-Esprit a trois dimensions. Le Saint-Esprit avec toi, en toi et sur toi. Le Saint-Esprit peut être avec toi. Il va te protéger, il va te garder, il va te porter dans les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais il ne va pas agir en toi parce qu'il n'est pas venu s'asseoir. Ton corps ne peut pas être un lieu de cohabitation. Si dans ton corps, c'est sale, puisqu'il dit qu'il est le temple du, tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas venir s'asseoir. Là où il y a quelque chose qui est inimitié avec lui, il ne va pas s'asseoir. Mais parce que Dieu est fidèle, tu lui as donné sa vie, il va te garder, il va te protéger. Là, le Saint-Esprit est avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Mais c'est dur. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est facile, hein, parce qu'on va justement donner des façons de pouvoir... Il y a une sœur qui dit, plus les enfants de Dieu, faites attention. Exactement. Parce que pourquoi le diable vise les enfants de Dieu? C'est bien ce qu'elle dit aussi, parce que les enfants de Dieu ont un témoignage à garder. Quand tu as décidé de servir Dieu, quand Dieu te dit que tu vas... Moi, j'ai pleuré
J'ai pleuré. Je dis, Seigneur, pourquoi tu vas aller m'exposer? Avec tous les... Je n'ai pas dit les mots. Hein, mais tous ceux qui font comme s'ils te servent et puis on connaît. Seigneur, ne me fais pas ça. Yes, yes. La parole de Dieu dit que ceux qui viennent annoncer l'évangile, ceux qui viennent parler, seront jugés plus sévèrement. Le diable ne peut pas les laisser. Le diable va les... Ce qui est facile. Le diable n'a pas besoin. Il va aller là où c'est difficile. Parce que tu as une conduite, tu as une vie à tenir. Et tout enfant de Dieu appelé à servir. Tout enfant de Dieu appelé à servir, c'est pas parce que d'autres font le live et que d'autres suivent. Parce que derrière, quand tu vas finir d'écouter, tu as peut-être un cousin, une cousine, une tante ou quelqu'un qui est dans une situation. Ah, tata, ah, tonton, ah, tanti, ah, mon frère, ah, ma soeur, j'ai entendu quelque chose et ça m'a fait penser à toi, je viens te le partager. Donc, tu es en train de servir comme ça. C'est pour ça que le diable vise plus les enfants de Dieu. Le diable va te viser parce que tu as un potentiel, parce que de toi doivent sortir des générations de prophètes, de rois et de sacrificateurs, parce que de toi doivent sortir des orphelinats qui vont aider des personnes, parce que tu dois financer le royaume. Le diable va te faire croire que non, si tu ne sors pas avec tel gars qui te finance, qui fait ça, toi, tu ne peux pas avoir l'argent. Beaucoup de jeunes filles ont ce problème aussi. Faut qu'on se le dise. Beaucoup de jeunes filles, même aujourd'hui, j'ai eu un témoignage comme ça, hier et aujourd'hui. Mais si je le laisse là, comment ça va se passer? Si je les laisse là, comment je vais faire? Parce que c'est lui qui me donne l'argent pour faire ci, pour faire ça. Et dit, hé, va lire ta Bible. L'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Peut-être parce que même tu es dans cette situation, ta promotion est suspendu. Ça attend que tu quittes là, pour que tu rentres dedans, pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu. Et j'ai fait un témoignage à cette soeur. Je dis, ma soeur, j'ai été avec des gens qui, d'après eux, ils sont milliardaires, on entend leur nom. Mais il n'y a pas un qui a fait ce que mon mari fait pour moi aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Dieu sait honorer celui qui le sait. C'est dur, hein? Attention, on n'est pas en train de dire c'est facile. On va atterrir sur ça par la grâce de Dieu. C'est dur parce que c'est une privation. Mais tu es en train de te priver pourquoi? Tu es comme un athlète, tu te formes. Tu te formes et tu te forges. Tu dis non, moi je ne veux pas rester dans ça. Je veux me former, je veux me forger. L'athlète, il y a des trucs qui ne mangent pas. Il ne mange pas. Bon, je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens ici, beaucoup. Ils ne mangent pas locaux avec attiqué tous les jours. Trop de glycémie. Amen, vraiment. Trop de féculents, les patates, tout ça. Ils ne mangent pas ça tous les jours. Il va manger des légumes, il va calculer ses calories. Il va... Mais c'est comme toi, enfant de Dieu. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de dire à mes enfants, je dis, vous là, on est des rois. Chez la reine d'Angleterre, là-bas, à partir du moment où tu as décidé de rester là-bas, tu dois suivre des règles. Nous, on a décidé de suivre Jésus, il y a des trucs qu'on peut plus faire. C'est pareil pour l'enfant de Dieu. C'est pareil pour l'enfant de Dieu. Et ton corps est précieux. Ton corps est quelque chose... En fait, c'est ton enveloppe corporelle avec laquelle tu véhicules le Seigneur sur la terre. Yes, yes. Demain, certaines, demain, certaines personnes vont rentrer dans leur foyer, ne vont pas comprendre. Mais comment se fait-il que j'ai encore des rêves de mari de nuit? J'ai encore des rêves de... nuit, mais tu as ramassé l'esprit là pour venir avec toi. Yes, yes. Tu as pris l'esprit pour venir parce que comme la sœur le disait, la sœur dit tu as chéri ça et puis tu viens dire à ton mari, mais pourquoi tu fais ça? Ne fais pas ça parce que tu exposes, toi-même tu t'exposes, tu exposes ton mari et puis tu exposes ton foyer. Yes, yes, yes. C'est ça, mais c'est dur, on le sait. C'est clair on le que... sait. C'est clair que ce n'est pas facile, hein, vous savez. Tout ce qui se, toutes ces personnes en ce moment qui sont en train de lutter en fait, avec tous ces vices sexuels-là, il y en a en fait, ça allait plus, c'est plus profond. C'est des, c'est des frères et des sœurs qui ont couché ensemble. Aujourd'hui, vous êtes... Ce qu'on est en train de dire là en ce moment-là, c'est très profond, je vous assure. Quand on dit vice sexuel, là, si on veut débattre sur tout aujourd'hui, je ne pense même pas qu'on va pouvoir faire une heure de live. Non. Vous comprenez. Non. Mais il y en a qui sont allés jusqu'à coucher dans l'amusement, hein, dans les amusements bêtes d'avant. Là. Amen. Elles sont allées jusqu'à se coucher avec leur cousin, coucher avec leur cousine. Et aujourd'hui, en fait, bon, il y a des problèmes dans le foyer. Il y a des problèmes pour se marier. Il y a des problèmes pour enfanter. Mais ce que tu as tissé là, tu étais en train d'alimenter un hôtel de famille sans que toi-même tu ne te rends compte. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a des familles comme ça où cousins et plus cousines se sont mariés.
Il y a des familles comme ça où la sœur et puis le frère s'aiment tellement. Je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, j'ai dû lire un truc comme ça sur Facebook où la femme était tellement désemparée. Elle ne savait même pas ce que faire. Elle est obligée d'envoyer la fille à l'internat et le garçon était resté avec elle ou bien vice-versa. Parce que ses propres enfants s'aimaient. Elle ne comprenait pas. Wow. Ses propres enfants, filles, garçons, ils s'aimaient au point où il dit qu'il ne peut, peut pas vivre sans sa soeur. Il aime sa soeur. What? C'est terrible. Vous voyez, le diable est mauvais. Je me rappelle que cette semaine, avant, quand j'ai annoncé justement le live, j'ai fait un petit Q&A là. Et dans les réponses, il y a des femmes qui m'ont dit, mais moi, personnellement, je fais ça juste pour le plaisir. Oui, toi, tu peux penser que c'est pour le plaisir que tu es en train de faire ça en ce moment. Mais dans le spirituel, tu ne sais pas ce que tu es en train de semer. Yes. Dans le spirituel, tu ne sais pas quelle porte tu es en train d'ouvrir. Quel droit légal tu es en train de donner au mari yes. de venir avoir accès yes. même à toi. Quel droit yes. légal tu es en train de donner aux esprits de ta famille pour avoir accès à ton foyer, accès à ton mariage, accès même à tes enfants. Amen. Parce que c'est des semences qui vont aller planter. C'est ça. Et demain, toi tu es libéré, c'est vrai. Tu es délivré peut-être de toutes ces histoires de masturbation, de toutes ces histoires de vie sexuelle. Mais dans 10 ans plus tard, tu vois que ta fille est devenue quelque chose. Tu ne sais pas d'où c'est quitté. Mais c'est la semence que tu as posée il y a plusieurs années. Quand ta fille te voit en train d'embrasser aujourd'hui une femme, demain, elle t'envoie en train d'embrasser un garçon. Bon, elle dit quoi? Elle est où? Mm-hmm. Elle est comment? Pour elle, c'est normal. Parce que tu as mis cette semence dans cet enfant. C'est vrai. Tout acte que nous posons aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ça que je donne toujours ce témoignage. Moi, quand je fumais, et l'Esprit de Dieu m'a dit, je ne veux plus que tu fumes, Audrey, parce que cette bouche servira pour moi. J'aime cette parole qui est venue, je ne connaissais même pas encore la Bible comme ça. On était en 2013. Mm-hmm. Quand j'arrêtais de fumer. Amen. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu t'imagines moi en train de donner la cigarette au Saint-Esprit pour fumer? Je fais ça. C'est pas possible. Hein? Donc quand j'ai reçu le réma de ça, jusqu'au jour où je n'ai pas parlé, plus jamais cigarette ou bien chicha a touché mes lèvres. Ça ne peut pas toucher mes lèvres. C'est ça. Ça ne peut pas. Et je ne discute pas avec les personnes qui le font. Amen. Je me rappelle, je suis partie en France chez une amie. Et puis, bon, on discutait comme ça. Puis, on dit, ah, mais autre, pourquoi tu arrêtes de fumer? Aïe, mais toi aussi, tu n'as pas me dit que cigarette, là, c'est temps. J'ai dit, ma chérie, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Peut-être que toi, il ne t'a pas encore dit, mais pour moi, ce n'est pas pareil. Donc, aujourd'hui, toi qui es en train de nous écouter, de là où tu es, tu sais, tu n'es pas venu ici, tu n'es pas venu nous écouter par un hasard. Hein? Dieu, il n'y a pas d'hasard. Peut-être que pour toi, ton vice sexuel, ce n'est peut-être pas la pornographie. Peut-être que pour toi, ton vice sexuel, ce n'est peut-être pas la masturbation. Mais il y a autre chose dans tes pensées. Il y a autre chose dans ton esprit que Dieu veut toucher aujourd'hui. Et lorsque Dieu commence à toucher, en fait, c'est parce qu'il veut que cela... Jésus a dit quoi? Il dit que toute arbre que mon père n'a pas planté sera arrachée et jetée au feu. C'est ce que Dieu veut faire ce soir avec toi. Il veut arracher tout vice sexuel dans ta vie et les jeter dans les feux arides. Amen. Afin que ces choses ne prévaudraient point sur toi. Yes. C'est le plan de Dieu pour tout un chacun. Yes, Dieu ne veut pas que ses enfants soient liés. Dieu ne veut pas... quand on parcourt le livre d'Ésaïe, on voit beaucoup que le Seigneur parle de libérer les captifs, fait sortir les personnes des prisons. Quand on parcourt la parole de Dieu, on voit « je vais briser les portes de fer devant toi ». Il y a beaucoup de personnes qui se disent « oh, c'est la porte de mon travail. Oh, c'est la porte de mon mariage. Oh, c'est... » Parfois, c'est une prison, comme la sœur vient de le dire, les alimentations d'hôtels de famille. Ah, ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de violent, de vraiment mauvais. C'est quelque chose que le Seigneur même a en horreur. Et comment faire justement pour sortir de ce genre de choses? Moi, j'ai retenu quand même 3 clés qui sont quand même importantes. Parce que quand tu as parlé d'hôtel de famille, ça me fait atterrir sur ma première clé. C'est de bâtir un autre hôtel qui parlera, qui sera plus fort que cet hôtel de famille. Que cet hôtel de pas forcément même de famille, mais cet hôtel de malédiction que certaines personnes ont planté.
leur vie, la vie de leurs enfants, de leur fécondité. Parce que le Seigneur nous demande d'être fécond à tout égard. C'est pas forcément physiquement. Je souhaite à tout le monde de pouvoir être fécond physiquement, mais aussi de porter des rêves, des projets que le Seigneur a mis en nous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même la vie sexuelle en question, là, ça tue le travail de certaines personnes. Ça tue le travail de certaines personnes. Il y a des personnes... Je ne veux pas te couper, servante de Dieu. On va donner le cas de DSK. Le cas de DSK... En fait, j'arrive. Vas-y. J'en arrivais là. Le diable ne va pas passer au loin pour te faire du mal. Il va prendre ce qui te plaît là. Aujourd'hui, là, on ne sait pas si la femme, c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, on ne comprend pas, il y a des trucs pas trop clairs. Mais son rêve qui poursuivait de briguer la magistrature suprême de la France, il a été tué dans l'œuf. Alors que quand on voit les prononcés de gouvernance de DSK, on se dit que la France allait être the France. On n'allait pas avoir les gilets jaunes s'il était là. On n'allait pas avoir cela. Mais tu as bafoué cela juste pour un instant. Parce que le diable sait que c'est pas ça qui peut te tenir. Donc il va arracher quelque chose. Il y a des personnes aussi, on sait, c'est vrai, c'est des paroles qui ont été lancées sur ta vie. C'est des paroles qui ont été lancées sur ta vie. De la même façon dont moi, je suis quelqu'un, je parle sur la vie de mes enfants. Je dis, ah, de la façon dont tout le monde vous dit, tu es beau, tu es belle, là, il ne faut pas prendre ça pour être distributeur de gourmet automatique. Tu seras, je pense, Rivana, tu seras la femme d'un seul homme. Michael, tu seras le mari d'une seule femme. Et je déclare la seconde, parce que un parent ici, ce soir, déclare des choses sur son enfant même. Dès aujourd'hui, avant d'aller se coucher, libère des paroles puissantes sur la vie de son enfant. Contrecarrer tous les plans de l'ennemi. C'est important. Ton enfant transporte quelque chose de puissant et ne laisse pas le diable voler. Donc, pour atterrir sur les autels, vraiment, moi, je pense que la prière, la première clé, c'est la prière. Quelqu'un dira, ah, mais c'est redondant ça. On est chrétien, on prie. Peux-tu me dire comment tu pries? Pries-tu 15 minutes? C'est déjà bon. Pries-tu avec violence? As-tu décidé, comme Daniel, avec une violence extrême, de prier, je ne sais pas, 3 fois par jour, combien de fois par jour? Dis que moi, le Dieu que je sais, j'ai décidé d'être sauvage avec les choses qui ne sont pas de lui. Je vais prier, je vais aller marteler, je vais taper sur la tête de ces choses jusqu'à pouvoir sortir de là. Pries-tu comme ça? Oui, mais je prie, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. J'ai décidé d'arrêter. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu nous dit en 1 Jean 5, verset 14 à 15, c'est un verset que j'aime de tout mon cœur. Que si tu demandes quelque chose à Dieu qui est conforme à sa volonté, le Seigneur entend. Ça, c'est la partie 14. Quelle que soit la chose que tu demandes, si c'est conforme à sa volonté, tu l'as reçue, le Seigneur te la donne. Et c'est conforme à la volonté de Dieu de sortir de l'impudicité, de sortir de la masturbation, de sortir de ce genre de choses. Prie sincèrement. On va prier un peu ce soir en accord avec la servante de Dieu. Voilà. On va prier ce soir pour ça. Mais c'est vraiment de prier. Prier, venir devant le Seigneur avec la repentance aussi. La repentance par l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit, faites en tout temps. Dans Éphésiens 6, faites en tout temps des prières, des supplications. Viens supplier Dieu. Viens demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai été séparée de toi et ces démons-là me suivent toujours. Ils ne veulent pas me laisser. Je n'ai que toi. Aide-moi. Saint-Esprit, veille sur moi. Je vais vous faire un grand témoignage aujourd'hui. Un témoignage que je ne partage pas comme ça. Mais je sens que ça peut aider quelqu'un. J'étais... Il n'y a même pas... C'était pendant le confinement de mars, donc il n'y a pas longtemps. Je suis là, tranquille, tout va bien. Ça va avec mon mari, il n'y a pas de problème. Une petite sieste. En plus, je revenais de l'église. Et ceux qui pensent que quand tu sais Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu n'as pas de... Ah, ok. Je revenais de l'église, tranquillement fatiguée, je suis couchée. Comme un esprit qui veut venir
me posséder, faire des trucs. L'ange de Dieu a attrapé mon pied et a tiré mon pied physiquement. Hein. Je me suis déplacée du lit, je me suis réveillée, je suis venue m'asseoir au salon. Incroyable. Amen. Pour dire que ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas en train de venir s'asseoir ici pour faire croire aux gens que tout est... Non, c'est des batailles. No. Quand tu te lèves de ça, tu dis merci à l'ange de l'éternel. Tu dis, plutôt, tu dis merci au Seigneur plutôt d'avoir envoyé son ange pour te délivrer. Yes. Mais quand tu pries, tu rentres dans la repentance, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Ai-je eu une mauvaise pensée contre mon mari? Ai-je eu une mauvaise pensée contre quelque chose? Ou est-ce que une affiche ou quelque chose m'a fait repenser à quelque chose de mauvais que j'ai fait dans ma vie? Et puis ça a voulu éveiller quelqu'un là-bas. Seigneur, ton sang, je me répands à tes pieds, je te demande pardon, lis toutes ces choses. La repentance est hyper importante, mais la vraie repentance, hein, la repentance qui va venir, même pas simplement demander pardon à Dieu et puis continuer ces choses, la vraie repentance qui va dire Seigneur, je te demande pardon, mais je ne veux vraiment pas continuer. Aussi dans la prière, un autre aspect, c'est de solliciter des personnes. Parce que le Seigneur nous dit que c'est nous les saints, c'est nous les saints. Ce n'est pas quelqu'un qui a été canonisé. Je n'ai pas envie de choquer quelqu'un ici aujourd'hui. Mais le saint, quoi, ce n'est pas lui qui est saint. C'est quelqu'un qui dort, qui attend la résurrection des saints aussi. Les saints, quand on parle des saints, c'est toi et moi. Nous qui avons accepté Christ. Donc, demande à quelqu'un comme toi. Vraiment de prier avec toi. La prière fervente du juste, non seulement a une grande efficacité, mais la prière d'accord est puissante. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, demande la prière collective, n'aie pas honte, va exposer le péché là, va exposer ça. Ouvre ta bouche et puis dis. Donc, il ne faut pas. Tu caches, il a encore quelque chose pour te lier, mais tu t'en vas, tu l'exposes. Et il n'a plus, il n'a plus d'emprise sur toi parce que plusieurs personnes sont en train de prier pour le déloger de ta vie, cet esprit. Tu vois? Donc, prie. Parce que regarde ce que Dieu a fait avec Abraham à Sodome et Gomorrhe. Dieu dit à Abraham, j'ai entendu quelque chose sur la ville là, mais je vais aller voir Dieu qui sait tout. Il voulait voir la disposition du cœur, de cœur d'Abraham. Dieu sait tout. Dieu est au courant de tout avant même que truc. Il sait ce qui se passait là-bas. Abraham a plaidé pour la ville. Malheureusement, on sait comment ça s'est passé. Mais une ville où il y avait l'impudicité, où même quand les anges sont rentrés chez Lot, toute la ville est venue bébé ou quoi. Nous, on veut les connaître. Tu veux les connaître comment? Et quand tu t'en vas lire l'étymologie dans le grec, connaître charnellement. Eux, ils veulent coucher avec les anges. Et Dieu les a frappés d'aveuglement. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un que tout esprit qui poursuit la vie d'un bien-aimé ici présent, pour pouvoir avoir des couches nocturnes avec cette personne, pour pouvoir détruire sa destinée. Je vois comme dans les entrailles d'une femme, quelqu'un qui souffre à cause de ce genre de choses. Cet esprit qui te poursuit aujourd'hui est frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut plus te localiser. Au nom de Jésus, quelle que soit la porte qui a été ouverte, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que toutes ces portes soient refermées au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. En deuxième volet, je veux dire à quelqu'un qu'il faut que tu aies une vie de jeûne. La parole de Dieu est formelle là-dessus. Il y a certains esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Il faut que tu aies une vie de jeûne. Il y a des personnes pour lesquelles jeûner, c'est vraiment compliqué. Il y en a qui ont la grâce. Je prie qu'une grâce de jeûne vienne dans ta vie pour que tu assèches ces esprits-là. Ça va venir à sécher ces esprits. Ces esprits n'auront plus la possibilité de te posséder. Parce que tu seras un temple saint, un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Joe, tu en jeûnes. Quand l'esprit là veut venir, là, toi, ton esprit est connecté. Tu as assis. La parole de Dieu dit que quand tu es chrétien, quand tu es mort et tu es né de nouveau avec Christ, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Quel esprit peut venir te toucher?
Concentre-toi sur le jeûne et la Amen. Prière. Comme la sœur vient de le dire, si tu es marié, que tu vis ce genre de choses-là, c'est que tu as donné droit légal à quelqu'un d'autre. Mais il y a quelqu'un qui a ton droit légal là. Lui, il peut venir détruire ces œuvres-là. Et pour toutes les personnes qui ont déjà entamé la dot aussi, c'est possible parce que le père a déjà délégué l'autorité de sa fille à l'homme. Au futur, c'est pour Marie, ça, en parenthèse, toi, femme, il faut savoir comment aussi tu vas parler à ton mari. Fais attention à ce genre de choses aussi. Parce qu'il est la tête, il est en haut de toi pour te protéger. Voilà, il y a des choses que tu ne peux pas toujours dire, même quand tu es fâchée. Voilà. Donc, vraiment, le jeûne, c'est hyper important. Le jeûne, c'est quelque chose qui te permet de te déconnecter de la réalité physique, en fait. De te déconnecter de ce genre de situation-là. Et puis, d'assécher quelque chose en toi, mais qui va faire grandir une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Qui va te donner cette intimité avec le Seigneur. Tu vas toucher le cœur du Seigneur. Si Jésus-Christ, lui-même, le bois vert, il a jeûné 40 jours. Je ne suis pas en train de te dire, ce n'est pas une prophétie. Ne va pas t'affamer. Demande au Seigneur. Jésus a eu son jeûne. David a écrit des psaumes. Toi aussi, tu peux écrire des cantiques. Tu peux. Moïse, il a fait deux fois 40 jours sans manger ni boire. C'est pour ça que quand il est descendu, son visage était lumière. Toi, peut-être pour toi-même, là, ce n'est pas beaucoup. Parfois, moi, je jeûne de chocolat. Parce que le chocolat, vraiment, Seigneur, ta grâce. Je jeûne de chocolat. Peut-être que toi, c'est quelque chose de simple. Même tu peux jeûner des revues en question, mon frère. Ma soeur, tu peux jeûner des revues. Tu peux jeûner de la masturbation. Moi, quand j'ai arrêté la cigarette, tu peux jeûner des godemichés. Je me rappelle quand j'étais catholique, à chaque fois, je disais pendant les 40 jours de jeûne, moi, je ne fume pas. Mais Dieu a entendu ma semence. Dieu a vu que j'étais sereine. La cigarette, moi, je n'ai pas arrêté crescendo, comme d'autres personnes disent. Comme je suis à un paquet, il a fait 10, 2, 3. Un matin, je me suis levée et je ne fume plus. C'est fini. Jusqu'au jour. Je me rappelle une fois même, on était parti avec mon mari au Maroc. Et un de ses collègues a dit, ah, ramenez-moi des cigarettes. J'ai dit, ah, je vais garder un paquet pour voir et tout. J'ai dit, quand j'ai voulu m'approcher de ça même, il y a une puanteur qui est venue là. Je dis, ouh, ce n'est pas possible. Amen. Exactement. On peut commencer par des petites choses. Par des petites choses. Déposer sur l'autel, sacrifier ça. Tu as peut-être quelqu'un qui parle beaucoup mal. Tu es quelqu'un, quand on te dit bonjour, même quand tu veux fusiller la personne, ou bien quand quelqu'un n'est pas en accord avec toi, lui, là, vraiment, ce que je vais lui dire, il va se laver pendant 3 jours, il ne sera pas propre. Ça, c'est moi-même qui fais ça. Donc, que le Saint-Esprit me localise aussi. Mais tu peux dire à Dieu aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe, je décide. Au nom je décide Jésus. De ne pas parler mal. Parce que c'est une porte aussi ouverte à Satan. Toute idole sur ton cœur. Ton travail peut être une idole. Pendant que tu parles des femmes mariées, en fait, c'est la pensée qui me revient, à toutes ces femmes mariées, en fait, qui se privent consciemment à leur homme, ça aussi, ce sont des portes. Ah oui! Quand tu te prives, à ton homme, ça aussi, ce sont des portes. Ah, ce sont des portes. Donc, de grandes portes même. Femmes mariées, là, pourquoi l'apôtre Paul dit que... Faites attention. C'est ça. Pourquoi Paul dit que... Ah, c'est grave, hein, parce qu'il dit de peur que Satan ne vous tente. Si vous partez ensemble d'un commun accord pour jeûner, pour prier, pour vaquer à la prière, il n'y a pas de, de souci. Dès que vous finissez, remettez-vous ensemble de peur que Satan ne vous tente, parce que vous connaissez déjà la chose. C'est vrai. Le diable va venir mettre des semences. Il faut se battre. Il faut que quelqu'un ici ait la capacité. Quand un démon veut te rejoindre dans ton rêve pour faire quelque chose, tu le taille en pièces, comme David a dit. Il dit, je les taille en pièces. Amen. Que tu puisses atteindre cette dimension. Ou quand tu vois un chien qui arrive dans ton rêve. Ah oui! Ou quand tu vois un chien qui arrive dans ton rêve pour vouloir te combattre, tu te transformes en David, tu lui déchiquettes la gueule. Amen. C'est ce que je prie pour quelqu'un ce soir. Et en troisième point, vraiment, c'est la chose aussi, amen, qui est hyper importante, c'est la consécration. La consécration. Te dire dans ton esprit, je suis comme ce psaume qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ah, ma soeur, tu es belle. Yes. Tu es belle, mon frère, tu es beau. Pourquoi veux-tu qu'un esprit puant, vil, sale, puisse venir te posséder? N'accepte pas.
Consacre-toi au roi des rois. Consacre-toi à Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Son Saint-Esprit va venir habiter en toi. Il va venir travailler en toi. Il va venir faire quelque chose pour t'aider à repousser toutes ces choses. Et c'est un process. Ça peut être dur. Quand tu tombes, ne te dis pas « Ah, je suis tombée aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en sortir. » Quand tu quittes ton travail, tu viens, tu te laves, non? Pourtant, tu t'es lavé le matin avant de partir. Reviens te laver dans la présence de Dieu. Dis au Saint-Esprit, viens me purifier. Viens me laver, sang de Jésus, toi qui as coulé à la croix. Viens me purifier, pleure devant sa face. Dis-lui, je veux être comme la parole dit là, en Romains 12. Que notre corps soit comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Quand Dieu penche ses yeux sur la surface de la terre, il doit se dire, oh, ma fille Audrey là, oh, je l'aime trop. Je l'aime trop. Amen. Je trouve qu'elle est trop pure. Amen. Parce que Dieu est saint. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les myriades et des myriades, ils ne sont qu'en train de dire ça. Saint, saint, saint. Ils ne font que dire ça. Vous imaginez? Mais quelqu'un qui est si saint, qui est si pur, il ne peut pas venir à côté de la puanteur, de la saleté. En fait, ta vie, ce que je vais dire va peut-être choquer quelqu'un, ce n'est pas de l'orgueil, attention. Il faut que toi-même, tu aies une haute opinion de toi-même. Je suis le fils du roi de gloire. Je suis la fille du roi de gloire. Un démon ne peut pas venir me posséder. Pour ceux qui ont l'œil spirituel, si quelqu'un a déjà vu l'image d'un démon, c'est sale. Parfois, c'est chétif. Moi, j'ai déjà vu certains trucs. Parfois, c'est chétif, c'est bizarre. Parfois, c'est très gros. En tout cas, des formes bizarres. Tu ne peux pas accepter que quelque chose comme ça te possède. Non. Tu dois pouvoir te dire non. Moi, je veux que autour de moi, ce soit les anges de l'Éternel qui sont en train de chanter, qui soient contents parce que je sens bon. Et quand je parle, eux, ils montent avec ma prière. Eux, ils montent avec ce que j'ai à dire. Donc, voilà un peu ce que moi, je dis. C'est vraiment ces trois points. Prière, jeûne et consécration. Avec l'aide aussi de certaines personnes qui prient, qui servent le Seigneur. Ou quoi. Tu peux te rapprocher de nous aussi pour cela. Voilà. Amen. Waouh. It was so deep. C'était tellement profond. Et je voulais vraiment ce soir qu'on prie pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes, en fait, qui traversent ces moments difficiles, qui veulent se démarquer, qui veulent se détacher de tous ces vices sexuels, mais qui n'arrivent pas. Ce soir, nous allons prier au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, d'écraser la tête des serpents. Nous allons écraser, détruire toutes sortes d'esprits maléfiques qui manipulent la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons déjà, Père Éternel, parce que tu es celui-là même qui est au milieu de nous. Nous te rendons grâce car tu es fidèle. Nous pour ta présence dans la vie de toutes les vies ici présentes qui sont en train de vivre cela, même pour ces personnes qui vont suivre. Je prie aujourd'hui pour la vie d'un bien-aimé. Je prie aujourd'hui pour la vie d'un bien-aimé qui traverse une situation difficile, qui a envie de se détacher de ses vies sexuelles, mais qui n'arrive pas parce que ballotté liberté. Tu as mis l'autorité sur nos vies de sorte à ce qu'on puisse arracher, détruire et afin de planter. Alors j'arrache, j'abats dans la vie de quelqu'un. Je détruis par la foi et par la parole. Je détruis par la puissance. Enfants de Jésus-Christ de Nazareth, ou dans la vie de quelqu'un, toute entité satanique qui continue à visiter ces personnes pour mettre des pensées, induire des pensées dans la tête de quelqu'un, pour que la personne puisse aller vers la masturbation, pour que la personne puisse aller vers la pornographie. Toi qui es une femme mariée, qui es obligée d'avoir des pensées, qui dois atteindre un niveau de plaisir avec ton mari, je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu es libéré, tu es affranchi. La parole de Dieu dit que si Jésus libère, nous sommes réellement libres. Alors je déclare qu'à cet instant, Jésus-Christ de Nazareth vient libérer quelqu'un d'un jour. Il y a un captif qui est libéré, qui sort de la prison dans laquelle elle est, où il est aujourd'hui, à l'instant au nom de Jésus-Christ. Après qu'on ait fait le premier live, j'ai eu des témoignages extraordinaires. Quelqu'un qui depuis 7 ans est dans la chasteté. Alors je prie que cela soit le partage de cet enfant. Jusqu'à ce que sa visitation du mariage arrive. Parce que Dieu n'est pas ingrat. Il n'est pas injuste pour oublier ce qu'on a fait.
parle, c'est pour lui. Quand on se garde, c'est pas d'abord pour le mari, c'est d'abord pour plaire au Seigneur. Et quand Dieu est content de nous, Dieu descend et il agit. Je prie que quelqu'un puisse avoir un éveil de conscience, puisse faire une réelle repentance, qu'il y ait des convictions de péché ce soir, que quelqu'un puisse savoir que sa vie en dépend. Parce que non seulement ta vie terrestre en dépend, mais ta vie céleste en dépend. Ce soir, tu écoutes, tu te dis, oui, c'est quelque chose seulement que tu fais sur la terre. J'ai envie de te dire que tu es venu sur la terre, tu vas retourner à ton Créateur. Le Seigneur me dit de te dire ce soir que ta vie vaut de l'or. Ta vie est précieuse et il te veut avec lui parce qu'il est parti te préparer une place et qu'il revient bientôt. Je ne crois pas que tu as envie qu'il soit en train de revenir et qu'il te trouve dans une situation de masturbation parce que tu ne partiras pas. Tu ne seras pas enlevé. Je prie pour que quelqu'un ait cet éveil de conscience, qu'il garde en tête, en esprit, que l'enlèvement peut se passer à tout moment. De la même façon dont Noé est en train d'annoncer à ses contemporains que la terre allait être frappée d'un déluge, les gens ne le croyaient pas. Nous, nous annonçons que l'enlèvement est plus qu'imminent. Croyez-le, sortez de vos mauvais penchants, que le Saint-Esprit vous localise, vous guide et vous aide pour pouvoir sortir de tout ce qui est mauvais et pour pouvoir revenir à la maison comme ses enfants prodigues et servir le Dieu vivant, le Dieu vrai, qui vous pardonne à l'instant, qui vous enlève ses jougs, qui vous enlève ses habits de malheur pour vous porter des habits de joie, qui vous accorde sa grâce, qui vous accorde sa visitation et qui vous donne toute la force nécessaire par le Saint-Esprit de pouvoir triompher de cette tentation. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tous les bien-aimés ici présents. Étends ta main sur la vie de ces personnes. Étends ta main sur nos vies à nous tous. Parce que nous sommes nous aussi concernés, Père. Nous ne sommes pas à l'abri. Mais nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits et que nous allons triompher. Que quelqu'un soit béni ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et en son nom, nous sommes exaucés. Amen. Hallelujah. Merci, servant de Dieu, merci à toutes ces femmes, à tous ces hommes, en fait, qui traversent, en fait, ces situations difficiles. N'ayez pas honte, exposez le péché, exposez-le. Quelque chose que tu as exposé ne peut plus jamais te condamner. Exposez la pratique sexuelle, exposez la masturbation, exposez. Lorsque c'est exposé là, ça ne peut plus te dominer. Lorsque c'est exposé là, ça ne peut plus avoir d'impact sur ta vie. Lorsque c'est exposé là, c'est fini. Il ne peut plus te condamner. Tu ne peux plus être coupable. C'est fini. Amen. C'est fini. Donc c'est Dieu fini. A libéré c'est plusieurs fini. Personnes ce soir, je crois. Amen. Personnellement, en tout cas, que Dieu est en train de faire. Pour ces personnes aussi qui vont regarder ce live en différé, je crois que là où tu es, Dieu aussi tend sa main. Il te libère, il te touche, il te rachète ce soir. Et il envoie son sang, le sang de l'Alliance. C'est ce que j'appelle le laisser-passer. Le laisser-passer divin. Le sang de Jésus te lave, te restaure, te purifie de toutes sortes de souillures au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On acclame ce que le Seigneur a fait dans la vie de quelqu'un parce que je sens venir une atmosphère de libération. Quelqu'un a dû être libéré, c'est certain. Voilà. Yes. En tout cas, bonne soirée à tout le monde et on va recevoir bonne la soirée. Très bientôt. Vous la voyez quand elle vient là. C'est le show ici. Amen. Le coup de Dieu est tellement avec plaisir. Que, elle doit revenir. Amen. Merci encore, servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci à toi, ma soeur. Merci à tous ceux qui ont suivi. Allez, au revoir. Merci à tout le monde. Allez, au revoir.